mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le gentleman gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Bienvenue dans les profondeurs de la jungle obscure. N'importe quoi. Il parle pas comme ça, Donkey Kong. Il est même pas habillé comme ça. Je suis désolé pour le costume. J'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. Aujourd'hui, on va jouer à Donkey Kong Country. Regardez, je vous ai mis la boîte sur le bar. Ça tombe bien parce que je trouve qu'en plus, Donkey Kong Country, ça sonne un peu comme une marque de céréales. Alors, bah, du coup, sur le bar, c'est assez bien positionné, je trouve. Donc, on va jouer sur Wii, hein, c'est un vieux jeu sur Super Nintendo qui était top à l'époque. Mais nous, on va jouer sur Wii. Et évidemment, vous le savez, il n'y a pas que Donkey Kong. Allez, vous avez remarqué mon magnifique costume, il n'y a pas que Donkey Kong dans ce jeu. Il y a aussi Diddy Kong, mesdames, messieurs, Diddy Kong. On a quand même des super costumes avec Cyril. Et puis on fait très bien les singes en tapant très fort sur le micro. Je l'ai un peu assommé, pardon. Oh, mon Dieu. Bon, excusez les costumes, c'est pas terrible. Alors oui, c'est une casquette de la Marcus Low School Fatal Fury. Oh, une Fatal Fury, c'est une blague. J'aime bien, c'est pour ça que j'ai demandé à Cyril, parce qu'il aime bien les blagues pourries comme moi. C'est pas pourri, c'est excellent. Merci. C'est excellent. Merci, cher compère. Allez, installons-nous et on va jouer à... Oh, ça fait du bruit dans ma Wiimote. On va jouer à Donkey Kong Country Returns. Ça veut dire Donkey Kong se retourne. Donc on se retourne. Elle est pas mal, tu vois, j'ai prévenu. donc, on peut se retourner vers nos amis de No Life. C'est ça que je voulais dire. Tout bonjour ça les pour petits ça. Amis de No Life. Mesdames, messieurs, Cyril est responsable technique chez No Life. Oui. Et regardez comment il est habillé. Oui, c'est n'importe quoi. C'est ça, No Life. C'est ça qu'on aime. Allez, on y va. On va défoncer la porte de notre cabane en secouant nos petites Wiimotes comme des dingos. Et on va apparaître. Je suis content de te recevoir dans cette émission. Mais je suis content d'être là, c'est excellent. C'est très très beau chez toi, j'aime beaucoup. Je te remercie. C'est meublé avec goût, hein, je crois que. Je ne sais pas, alors oui, voilà. Je ne sais pas où il est goût, mais en tout cas, c'était meublé avec lui. C'est World of Goût. Alors, c'est meublé avec des crottes de nez et des machins en plastique. Alors voilà, j'ai déjà commencé à. Alors qu'on vous explique, évidemment, je suis Donkey Kong, le gros, voilà. Le gros. Et je suis celui avec la casquette, pour ceux qui... Voilà. Diddy Kong, c'est ça. Et alors, pour les costumes, vous avez échappé au pire quand même, parce que, figurez-vous, si regardez bien Donkey Kong et Diddy Kong, il y en a un qui n'est vêtu que d'une cravate. Donc, logiquement, je devrais être à poil avec une cravate. Et Cyril devrait être avec un t-shirt et une casquette, mais cul nu. Hein. Et oui, tout à fait, tout à fait. C'était prévu comme ça à l'origine. Voilà, mais on s'est dit, on va pas vous infliger. On peut avoir de problèmes avec le CSA, puis voilà. Bon, être moins 16 juste pour ça. Ce serait quand même dommage. Quand même. Puis même avec des mosaïques, hein, on aurait pu mosaïquer nos parties intimes. Il aurait fallu un paquet de mosaïques. Exactement ce que j'allais dire. Alors voilà, j'ai déjà mouru. Oh, alors pardon. Je suis dans le petit tonneau. Oh bah reviens mon petit, voilà. Bon petit tonneau, voilà. Alors vous avez vu, c'était des totems très émotifs. Tonneau, mais pourquoi tu m'appelles mon petit tonneau? Moi je sais pas, c'est affectueux. Parce que c'est comme ça, je monte sur toi. Oh non. Ah oui, alors ça c'est super, regardez, voilà, j'ai Diddy Kong sur mon dos. Oh, on nous a piqué des bananes. Oh les salauds, c'est toujours les mêmes scénarios dans les Donkey Kong, on leur vole leurs bananes. Alors ils sont très énervés, ils tapent par terre. L'avantage c'est que quand je suis sur toi, je ne joue plus en fait. Oui c'est vrai. Pas besoin, je peux juste balancer des bananes. Ah bah c'est déjà, c'est pas mal remarque. Mais voilà, c'est le secret. Si le niveau est trop dur, effectivement, je... Alors ça, moi je trouve ça, c'est une super idée si tu joues avec un petit gamin qui est très petit. Je ne joue jamais avec un petit gamin, arrête de dire ça, arrête de dire ça, je vais avoir des problèmes. Si tu joues avec un enfant qui est moins doué que toi, alors en général les enfants sont plus doués que moi, en même temps c'est un très mauvais exemple. Mais si un enfant joue avec moi par exemple et qu'il y a un passage difficile, et ben l'enfant me prend sur ses épaules pour me faire passer le passage difficile. C'est un peu l'idée. Voilà. Allez, sautons, récupérons des bananes au maximum. Vous avez vu qu'on a déclenché un crachat de bananes des deux côtés. Crachat de bananes. Tu sais pas comment t'appelles ça, toi? Une purée de... Oui, une purée de bananes. Une farandole de bananes. Voilà, la farandole des desserts vient de jaillir. Il en reste une, il faut absolument la voir. Parce qu'il y a un temps limité. Oui. Bravo. Et du coup, on a droit à une pièce de puzzle. Non, tu l'as pas eu. Et non, c'était pas la... Et voilà. Ah bah c'est fini. On a raté. Dommage, on aurait pu gagner une pièce de puzzle. C'est un gros fail. Il y a ah des bah tas tiens, de... en parlant de fail. Oh dis donc, oui, t'as mouru. Alors tu reviens dans ton petit tonneau, tu peux secouer ta Wiimote pour... voilà, pour me rejoindre plus vite. Et viens m'aider à frapper. Ça c'est quand on est un Kong, on passe quand même un petit peu sa vie dans les tonneaux, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Ah bah c'est ça qu'on aime bien aussi. Tu retrouves tous les grands classiques de Donkey Kong. Les tonneaux qui sont pas très bons. Voilà. Un peu sombre. Serré à deux. Petit tonneau. Attends, tu me fais rire. Je vais me crever sur les pics. Voilà.
Donc là, faut s'énerver très très fort, un peu comme Joe Dalton. Voilà. Donc c'est rigolo, je trouve ces petits mouvements de manette, je trouve ça sympa. Et voilà, ça fait apparaître tout un décor en profondeur. En profondeur, en relief. Eh oui. Ça, c'était magnifique à l'époque. T'as connu, toi, sur Super Nintendo, Donkey Kong J'y ai jamais joué. Country. Je n'avais pas de Super Nintendo. C'est pas vrai. Tu es un enfant malheureux. J'avais un Atari ST, moi. Oh, un Atari ST. T'avais pas d'Amiga? Non. Et oh mon fait, dieu, je pas... parle à un atariste. J'avais pas assez d'argent pour avoir les deux. J'aurais bien aimé avoir les deux. On m'en a prêté un, une fois, mais... Ah bah moi j'avais que un Amiga, j'étais un homme de goût, tu penses bien. Ah tu jouais à Shadow of the Beast, ouais, ce jeu est injouable. Ah oui mais tellement beau, ah oui, mais 12 niveaux de scrolling, c'était fabuleux. T'as besoin d'un Amiga pour jouer à Rick Dangerous. Bon. C'est vrai, alors c'est vrai, Atari ST c'est le truc qui m'a donné envie de jouer à Rick Dangerous. Bon, revenons à nos bananes. Alors revenons à nos bananes, tout ça pour dire qu'à l'époque c'était magnifique ce jeu, Donkey Kong Country. Ils avaient fait les sprites en 3D, ils avaient pré-calculé les sprites, ouais, en 3D. Avec une Silicon Graphics, ils avaient calculé ça sur les ordinateurs les plus puissants de l'époque, donc des Silicon Graphics à l'époque. Tiens, là on est dans un petit niveau de bonus, donc il faut qu'on se projette de notre tonneau pour récupérer des trucs. Voilà. Et donc avec des Silicon Graphics, ils avaient calculé les graphismes qu'ils avaient ensuite reproduits dans un jeu. Et à l'époque, c'était absolument magnifique, on avait absolument jamais vu ça, quoi. Alors que maintenant, le silicone, ça sert juste à faire des prothèses. Des prothèses, ma mère, et voilà. Et c'est tout. Voilà. Et ça sert à se suicider aussi, exactement. Voilà, on fait plus de jeux, sauf, les Dead or Alive. Oui, voilà, c'est vrai. Y a littéralement, plus... mort ou en vie, je le rappelle. Oui, c'est vrai, en plus, c'est dingue. Alors, hop, on a raté, on n'a pas eu toutes nos... On a légèrement... C'est pas très grave, c'est un bonus. Donc, il y a plein de bonus planqués. Faut, comme toujours dans les Donkey Kong, explorer pour essayer de trouver le maximum de trucs planqués. Déjà, les lettres de Kong. Tout à l'heure, on a joué avec Cyril, on a réussi à écrire que lettre K-O-N. Oui, parce qu'il faut trouver des lettres planquées dans le... Voilà, donc c'est assez humiliant de ne trouver que K-O-N. C'est assez... On a aussi trouvé tout à l'heure un truc NG, donc c'était NG. NG, oui, oui, c'est vrai. Bon, alors, ces toucans sont quand même assez neurasthéniques, je trouve. C'est des dodos ou des... Des dodos, des oui. Toucans dodos ou des... On comprend que ce soit une espèce en voie de disparition, tellement ils sont pas la pêche. Mais bah, c'est déjà disparu. Je voulais aller à gauche. Il y en a plus, les dodos. Ah bah non, c'est fini. On se fait plus, ça. Il y a que moi qui fais dodo, mais... Oh merde, avec ton petit jetpack, voilà, très bien. Ah, une pièce de puzzle là-haut. Bon, c'est pas grave, c'était juste un petit bonus. Fiche. Bah oui, on est dans un jeu destiné un peu aux enfants. Ah, si tu peux récupérer le G, le point G, ce serait pas mal. Voilà. Et on va aller sauter tous les deux. Donc ça, moi, je trouve ça génial, un jeu de plateforme où on peut coopérer. C'est vrai que c'est... Et puis ça marche très très bien. Ouais, c'est... tout à fait. Je jouais avec ma petite femme, qui n'est pas habituée hein, aux jeux de plateforme et tout, et on s'est bien marré. Ah, on est Kling. On a oublié le haut. Merde, Kling. Bon, peut-être dans le niveau suivant, on va essayer de trouver toutes les lettres. On récolte des bananes. Avec les bananes, on peut acheter des ballons qui sont en fait des crédits. Ça te permet de recommencer quand tu as perdu. Et alors, on peut acheter des trucs avec les bananes, c'est ça? Ouais, complètement. Des trucs pour être invincible à un moment, pour augmenter le nombre de tes petits cœurs qui te permettent de vivre plus longtemps. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Alors j'ai pris le tout premier niveau, hein, histoire qu'on se fatigue pas trop. C'est le premier niveau, tiens donc. Le tout premier, oui, ça me rappelle quelque chose. C'est un petit peu... Oui, c'est un peu revival. Oui, oui. Mais j'aime bien, parce que je trouve que dès les premiers niveaux, on comprend plein de trucs. C'est... Un premier niveau, c'est toujours, ça reflète toujours un jeu, en fait. Moi, je précise juste que j'ai joué qu'une fois à ce jeu, et comme on peut voir quand même que... Que tu maîtrises. Que je maîtrise, et donc c'est un jeu quand même qui est d'accès très très simple. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment facile. Et la maniabilité... Et c'est facile, Marie. C'est faire le téléachat. Vous aussi, chez vous, vous pouvez y arriver. Achetez-vous un singe. Vous n'êtes pas obligé d'être déguisé comme nous. Non, non, non. La console ne regarde pas encore comment on est habillé. Ça viendra avec Kinect. Attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ouais. Je vous rappelle que chez No Life, on a des caméras chez vous. Je ne sais pas si c'est très légal tout ça. Si, je crois pas que ce soit très légal. C'est la nouvelle Freebox. Ça fait lecteur de Blu-ray, mais ça filme chez vous aussi, sachez-le. Alors si vous faites des choses bizarres, attention. Ouais. Non, on se moque parce que quand on a fait le chez Marcus interactif au Toulouse Game Show, souvenez-vous, on a demandé aux téléspectateurs qu'on dansait devant leur écran de nous envoyer leurs vidéos. Et il y a quelqu'un qui a cru qu'on avait filmé les spectateurs à leur insu chez nous et qui, sur le forum de nos lives, se demandait si c'était bien légal tous. Attends, parce qu'il y a un passage secret là. Ah, où ça? Et il est là, on l'a. Ah oui, un petit voilà. K. Oh, bien joué. Voilà, donc là, j'ai trouvé une pièce de puzzle. Et t'as pris aussi la lettre K, qu'on n'avait pas pris tout à l'heure. Très bien, on va essayer de récupérer toutes les lettres dans ce niveau-là, peut-être. Histoire de faire mieux que tout à l'heure. Ah, on est fort en lancer de grenouilles. Hein. Mais elles n'ont pas de mobilettes. Elles ne font pas des chansons bizarres. Mais elles ne chantent pas. Reviens dans ton petit tonneau.
Pardon. Non. Ouais. Encore une phrase à ne pas sortir du contexte, bien entendu. Bien sûr. Genre, oh, t'as encore récupéré un truc. Ouais. Là, toi, t'es malin, toi. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai un jetpack, donc. Malin comme un singe. Mais fallait quand même y penser à grimper là-haut, là. Moi, j'ai pas pensé, vois-tu. Ah, et ben voilà, et ben encore une plante qui me. Ouh là là, j'aime pas ces plantes. Ouais, c'est les mêmes que dans Mario, elles sont aussi chiantes. Hop, je vais tomber direct sur le truc en dodo. Ah, mais alors, je n'arrive pas. Ah, voilà. Je viens de me manger. Alors, si je monte sur toi, tu peux utiliser mon jetpack. Ah, c'est vrai? Alors, attends, faisons une expérience. Bien. Alors, faisons une expérience. Je monte. Mesdames, messieurs, une expérience. Il va me grimper sur le dos. Et là, tu peux. Si je saute. Et tu maintiens. Ah oui, on peut voler plus longtemps. Attends, je vais attraper ce tonneau. Et tiens, regarde, et je peux. Ah non, je peux pas là. Tu peux cracher des bananes. Et voilà, je peux le jeter sur le truc. Ah voilà, et toi t'as un petit flingue à banane. Voilà, oh, c'est mignon. Un petit flingue à banane. Alors attends, voilà, moi je fais apparaître un tonneau là, comme ça on va dans la profondeur du décor. Donc ça aussi à l'époque hein, de Donkey Kong Country, c'était vraiment un truc assez fabuleux. Parce qu'on pouvait aller dans les profondeurs du décor, alors que dans ce type de jeu, d'habitude, il fallait se contenter de rester à plat. On allait jamais en profondeur. C'est des jeux qu'on appelle, je crois, en 2D et demi. En 2D, 2,5D. C'est qu'en voilà, fait, c'est un jeu 2D avec une profondeur. Regarde, je trouve un passage secret. Là-haut, je grimpe. Tiens, allons voir ce qui se passe. Encore un tonneau. Donc ça, c'est des coups à récupérer des bananes, ça. Oh oui. Ah oui. Ils sont contents comme banane ça. Banane power. Récupérer des bananes. Oh là, ah super. Oh là, 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 c'est par roulement de groupe. Toute la vitamine D que tu vas choper. Ah bah j'ai perdu bien. Moi je t'ai perdu. J'ai mouru. Qu'est-ce que t'as fait? Bah tu vois la flèche, j'ai suivi. T'as fait... la flèche. T'as fait ton marque. C'est ça. Bah je, tu sais, je me mets un petit peu aux couleurs locales quoi. Mais t'as bien fait, t'as bien fait. Voilà. Alors là, je ne sais pas, il y a plus rien là. Ah là, je crois qu'il va falloir taper cette plante pour rentrer chez nous. Ah c'est ça là, il y a rien. C'est pas très écolo comme, comme principe. Boum, direct sur le toucan. Ah oui, on peut faire des rushs aussi, un petit coup comme ça sur le côté, ah oui. Et hop, il se roule en boule. Ah mais attends, tu m'attends pas. Un petit côté hérisson. Oh, excuse-moi. Hop, voilà. Alors quand on est séparé, en général, au bout de quelques secondes, il remet le deuxième joueur près du premier. C'est marrant, quand tu fais la roulade, tu cours et tu fais la roulade, ça fait un peu Jean-Paul Belmondo ou... Cascade, boum boum, badaboum. Oh là là. T'aimes pas les plantes carnivores. Hein. Non, non, mais... Tiens, là, là, dans ton là, je... Mais non, mais je viens de tomber dans ah, la merde, plante. Oui. Reviens, reviens vers moi, voilà. En plus, là où il y a le petit cochon avec des daiquiri, là, au bar, là, ça nous sert de checkpoint. Donc on peut repartir de là. Hop là. Ah, je les aime pas, ces plantes. Et on peut pas les voilà, leur balancer ça dans le... Je vais essayer. Bah, ouais. Voilà, bien, ouais, juste on à côté. On peut peut-être, parfait. On peut peut-être. Mais pas moi. Oh non, oh oui, ah si, bon, c'est bon. Et alors, je crois que... On peut souffler aussi. Oui, tout à fait. Sur les pissenlits. C'est très curieux comme idée. C'est qu'il faut faire ça. Ah, un petit cœur, ça ah oui, pas c'est mal. Ça. Là, je souffle. Voilà, tu te mets vers le bas. On peut le faire tous les deux en même temps, si tu veux. Et voilà. On peut souffler. Donc, oui, quand il y a des ennemis en flamme... Dans le dos, c'est pas dans le dos que je soufflais. C'est gentil de pas le souligner plus que ça. Si on avait une position un peu scabreuse tous les deux, je dois... C'est un peu spécial, ce jeu, quand même. Hein. C'est bizarre. Mais hein. Nous sommes des singes, on peut faire ça. C'est vrai. Un peu des choses bizarres. Voilà, ce n'est pas contre nature. Oh là, c'est moi qui suis tombé. Alors attends-moi. Voilà, je vais revenir moi aussi dans mon petit tonneau. Hop, je secoue le tonneau pour me libérer. Et me voilà. Je me secoue le tonneau. Si, on dirait une chanson de Patrick Sébastien. Allez, je secoue le tonneau. Ouais. Allez, viens, on va grimper. Accroche-toi à la pelouse. Ça aussi, c'est une chanson de Patrick Sébastien. Et on s'accroche à la pelouse. Ouais. Ce chez Marquis va finir 18+, alors c'est un jeu destiné aux enfants. C'est affreux ce qui nous arrive. Bon alors, hop, j'arrive pas. Ah, ça y est. Bon, allez. Tu m'as tué. On est concentré. Bon, attention, il y a de la plante comme on n'aime pas. Je crois qu'on a toutes les lettres de Kong hein, pour le moment. C'est plutôt bien passé. Toujours bloqué sur, sur la pelouse, excuse-moi. Attention, je me concentre. On relâche. Professionnel. Ça y est, on est passé. Hop. Voilà. Ah, on est presque. Je crois qu'on est presque à la fin du niveau. Sauter sur cette petite plante. Donc il faut... faut qu'il y ait de la pelouse pour pouvoir s'accrocher, sinon on peut pas. Là, je vois ces roues là. Ah bah tiens, vas-y. Attends. Fais le boulot. Ah. Ah. Ah non, j'étais... Ah mais non. Vous voyez, là, il n'y a pas de pelouse, ça n'accroche pas. On le voit bien. Alors que là, hop là. Voilà. Hop là, mais il faut quand même... Voilà. Ah, j'ai mis le temps, mais... Oh, ça va se compliquer, puis j'aperçois une plante carnivore sur le côté. Hop. Donc on a chacun deux petits cœurs, à la base. L'avantage, c'est qu'en fait, le truc, c'est que quand on n'est pas accroché ensemble, il y en a un qui peut avancer pendant que l'autre meurt. Oui, c'est vrai.
C'est voilà, comme là par exemple. C'est moi qui suis un peu trop. Faut se synchroniser un minimum en fait. Là, je fais mon petit bourrin et j'avance. Mais alors, attends, du sang ou peut-être pour revenir, c'est plus prudent. Alors, ouais. En fait, je peux me dire. Reviens. Voilà, reviens. Ah. Libère-toi. Voilà. Voilà, super. Faut grimper là-dedans. Ah, je vois la dernière lettre. Ah. Oh mince. Ah. Oh là là. Ah, c'est. Ah. Reviens. Reviens, Didi. Attends, ça va revenir automatiquement. Voilà. Bon. Non, je trouve ça vraiment bien pour coopérer et vraiment, encore une fois, pour jouer peut-être avec des enfants. Ouais, on a toutes les lettres. Ah non, on a oublié le N. Mais attends, mais il me remet dans les pics. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, Thérèse. C'est horrible. Oh, on va pas repartir de là. Eh bah si, on a l'impression là. Oh mince, c'est la grosse pression. Bon, alors, faut être un tout petit peu plus concentré. Ah, il y a un niveau où c'est la plage avec des pirates qui te bombardent. Il y a un niveau où tu vas choper un rhinocéros, grimper sur le dos du rhinocéros, comme dans le premier, pour tout défoncer. Enfin, il y a vraiment, c'est un bel hommage au premier épisode. Mais oui, moi, ça me rappelle vraiment... Bah, même graphiquement, j'ai l'impression que... Ah bah, les mauvaises langues vont dire que ça n'a pas changé depuis la Super Nintendo. Et pourquoi changer quasiment. Une recette qui gagne, je veux dire. C'est vrai, bah, parce que les autres consoles sont super next-gen, avec des super graphismes qui déchirent, et que peut-être que Nintendo ferait bien de rattraper un peu le coup aussi. Ah bah... Ils vivent dans le passé un peu, hein, faut reconnaître. Leur nouveauté, c'était Super Mario, c'est Donkey Kong, c'est GoldenEye, voilà. Ça, ouais, on dit ça, hein. Mais à chaque fois, on attend le nouveau Mario Kart. Alors, Exactement. Ah, ça, j'attends ça avec impatience. Mais comme il n'y a qu'un seul Mario Kart par console Nintendo, je ne pense pas qu'on aura un Mario Kart, oui. Mais non, mais il y en aura un sur 3DS. Là, sur 3DS. Ah oui, alors Cyril, t'étais au Japon, toi, tu l'as vu la 3DS? J'étais au Japon, je suis revenu il y a deux jours, et effectivement, j'ai joué à la 3DS au Nintendo World. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai pu la tâter un peu au Japon. Eh ben, ça donne vachement bien, moi j'ai été... Ça donne envie. Ça donne envie. Mais ça donnait déjà envie avant, parce que là, déjà, la DS, c'était une super console, et la 3DS... Alors, il y a des petits inconvénients, parce que là, par exemple, les gens râlent sur l'autonomie, parce qu'elle a que 3h30 d'autonomie. Ah oui, par rapport aux 10h de... Mais c'est juste génial, hein. Franchement, Moi, le peu que j'ai pu voir, c'était assez fabuleux. L'idée de faire de la réalité augmentée avec, c'est juste génial. Oui, c'est ça. Il y a des petites cartes qu'on pose et puis ça fait des... Ça crée des petits monstres que vous pouvez voir en 3D, là, sur votre parquet ou sur donc votre... C'est ce que faisaient déjà un peu d'autres jeux, là, avec Sony, avec The Eye. Ouais, Invisimal, il y a un peu ça. Oui. Je te laisse franchir ça, j'ai aucun mais c'était... Non, c'est... les jeux sont bien. La 3D rend super bien. Ça fait pas mal à la tête. Il n'y a pas besoin de lunettes. Pas besoin de lunettes. Ça, c'est top. Et puis il y a le gyroscope intégré qui était vraiment la surprise moi quand j'ai joué. Ah, ça en fait on soulève la console comme ça ouais. Et on a une fenêtre sur le monde autour de nous. Dans Zelda Ocarina of Time il y a ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu te déplaçais ton regard en 3D dans l'image. C'est ça, c'est une vue subjective, mais normalement le mouvement est amplifié, c'est-à-dire qu'on tourne un petit peu puis on fait un demi-tour en fait dans le jeu. Là, c'est pas le cas. Si on veut faire un demi-tour, il faut faire un vrai demi-tour un vrai sur demi-tour. Soi-même. Et donc, on a vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'on est dans le monde du jeu, quoi. C'est très très bien joué. Ils sont forts chez Nintendo. Ah, et nous aussi, puisqu'on vient d'y arriver, on va péter ce tonneau, voilà. Ouh, super. Et on a oublié le N, mais on est des cogs. On est des cogs. Bande de cogs. Oh, bravo. Bon, on va aller faire un autre niveau. Il y a des niveaux avec les wagonnets. C'était mythique à l'époque. Mais la 3DS, en fait, là, on en parle, mais elle va sortir bientôt. Hein. Là, elle va sortir dans quelques semaines. On aura aussi. Hein. Mais on va aller faire Rayayay. Rayayay. C'est le truc avec un petit wagonnet. J'aime beaucoup. Moi, j'avais essayé Mario Kart en 3D. Excellent. Mm. Le fameux Star Fox 3D aussi, enfin vraiment c'est impressionnant. Alors ça fait de la 3D comme vous savez, ces cartes postales là qu'on tourne un petit peu, ça fait un effet de 3D. Mais il n'y a pas les effets de bord des cartes postales, c'est-à-dire l'image est vraiment très nette et il n'y a pas du tout de problème. Ah, je crois que t'es dans le tonneau, je vais te chercher. Et non, je suis là. Ah, je suis dans le tonneau avec le petit ballon. Alors allons faire du wagonnet. Moi, ça t'a plu ce petit séjour au Japon, j'imagine. C'était bien sympa, Il n'y avait pas que le Nintendo World, il y avait aussi le premier de l'an, Noël, tout ça. Alors, au premier de l'an, ils font des trucs bizarres? Bah, au premier de l'an, c'est un peu le Noël de chez nous, ça se passe en famille, puis. Ils mangent tout une dinde au sushi. Non, ils mangent pas de dinde, mais par contre, ils ont un très gros repas qui dure facile la journée, voire plus. Commence le jeudi. Et en fait, il y a des émissions musicales, donc une émission qui s'appelle le Kohakuen, où il y a toutes les vedettes qui passent en live. Donc c'est l'émission qui coûte la plus chère de la télé japonaise, qui dure 3 heures. C'est leur super beau là. Tout ce que les gens voient sur nos lives, les clips d'artistes et tout, bah, on les voit au Kohakuen. En vrai? En vrai. Ils font des prestations de malades.
Et puis ça se finit un quart d'heure avant minuit pour que les gens aillent au temple. Ah, une chouette année. C'est bien organisé. Et c'est bien foutu, ouais. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a un petit combat, parce que c'est les garçons contre les filles, en fait. Ouais. Et donc à la fin de l'émission, on vote. Mais on vote pas par SMS, on vote sur sa télé directement, et c'est gratuit. C'est vrai? Et ah, ouais. Ça c'est génial. Moi qui essaie de faire l'interactivité depuis le chez Marcus interactif, donc ça veut dire qu'avec une sorte de Freebox, tu pourrais faire jouer les gens vraiment en direct? Ben, au Japon en tout cas, et c'est pas la Freebox, c'est directement avec la TNT en fait. D'accord. Oh, bien. Donc ouais, peut-être chez nous, ça peut être. Ça pourra arriver chez nous peut-être, dans le futur. Ouais, peut-être. Dans 10 ans, je ne sais pas. Là t'as vu, je dis rien, mais je commence à assurer. Ouais. Un petit boulet de Tam, il y avait longtemps, on le revoit ralenti. Je dis rien, mais je commence à assurer. Il était beau, hein. Un très bon boulet de Tam, c'est ce que je disais, que j'assurais. Tu t'en parles battu. Oh, tu qu'est-ce qui s'est mais passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mais je suis tout seul. Bah, allez, vas-y, c'est toi qui vas conduire pour le et coup. Voilà. Donc, je dis... Ah Non, mais là, c'est un mini bullet time. Ça ne vaut c'est même un, pas non, non, ça compte pas. Ça compte alors, pas. Là, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que. Voilà, on est séparés tous les deux, on est rentrés tous les deux séparément. Et donc, on peut tous les deux on piloter peut tous les le wagon. Mais si j'étais sur toi, il n'y a que toi qui pouvais piloter. Exactement. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ah, donc tu me laisses conduire. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas de ma faute. Alors, normalement, il y en a un qui arrive là, juste là. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va y arriver. Cette fois, je reste concentré. Faut pas sauter dès le début. Je pense qu'il faut pas fait. Sauter, voilà, faut sauter voilà. Maintenant. Ah, oh là là. Oh là là. Oh là. Oh là. Oh. Voilà. Ouais, un petit ballon, c'est ça c'est un crédit en plus. Ah, c'est un crédit. C'est, ouais, ça permet de repartir. Putain, j'étais passé là tout à l'heure en plus. T'étais arrivé. Ah, saute. C'est quand même très beau, hein. Je trouve ça vraiment très très beau les graphismes. Là, ouais, c'est beau. Pas de soucis. Hop là, hop là. Hop là. Oh là, il y a de moins en moins de rails. Ça devient un peu chaud pour moi là. Ah, j'ai eu le G, mais est-ce que... Oh là là, oh là là, ça devient vertigineux, c'est magnifique, et c'est un saut de plus de alors ça, oh là je veux dire, oh là on adorait oh là ça là. Sur Nintendo à l'époque, parce que ça faisait vraiment... Ouais, j'ai réussi. Ça faisait vraiment la poursuite en wagonnet d'Indiana Jones. C'était vraiment le fantasme ultime du jeu vidéo. On voulait tous refaire la poursuite en wagonnet d'Indiana Jones, et avec ça, on l'avait. Mais avec des... Oh, bon, on a que et tu G. l'as terminé, alors que tu n'y arrivais pas. C'est pas mal, mais on a trouvé le point G, c'est déjà pas mal. Bon, on va arrêter les chauderies. Cyril, merci vraiment d'être venu. Mais écoute, je t'en prie, plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de venir. Moi, voilà. Depuis le temps que je voulais que tu viennes, vraiment, ça fait plaisir. Je vous rappelle que vous retrouvez Cyril dans Compiler avec son petit ordinateur, Compile. C'est pas le mien, il est indépendant. C'est tu pas sais, le il a sa oui, vie. Sa vie oui, c'est bien. Parce que Cyril, c'est toujours lui quand on appelle, qu'on ne sait pas comment un truc marche. On appelle Cyril, mais comment tu fais? Mais bah, clic gauche et voilà. Et ça marche toujours. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir de t'avoir eu avec moi pour faire le Kong avec moi. À bientôt, les petits amis de No Life, soyez sages.